petit rocher. Un livre écrit et illustré par Yuichi Kazano. Aux éditions L'École des loisirs. Une nouvelle journée commence pour Petit Rocher. La première à lui rendre visite, c'est la libellule. Elle se pose au soleil pour se réchauffer. Viennent ensuite deux bergeronnettes. Elles sautillent sur Petit Rocher et remuent joyeusement la queue. Un peu plus tard, une grenouille arrive. Mais elle s'éloigne vite d'un bond, car un homme s'approche. Le pêcheur jette son hameçon à l'eau et attend. Il attend longtemps, mais n'attrape pas de poisson. Fatigué, il s'assoit sur Petit Rocher. Quand le pêcheur s'en va, un héron prend sa place. Il atterrit sur Petit Rocher en battant l'air de ses grandes ailes. Le héron reste immobile un moment, à fixer la rivière. Soudain, il se jette à l'eau. Dans son bec, un poisson frétille. Une fois le héron parti, plus personne ne vient. Le calme s'installe autour de Petit Rocher. L'après-midi, deux tortues se hissent sur Petit Rocher et font une sieste au soleil.
Les tortues s'enfuient quand elles entendent des rires d'enfants. Ils pataugent dans la rivière et s'amusent autour de petits rochers. Lorsque les enfants s'en vont, épuisés, le soleil est déjà bas dans le ciel. La journée touche à sa fin. Alors, la grenouille de ce matin revient sur Petit Rocher. Crie-t-elle de sa grosse voix qui résonne dans les bois. Plus tard dans la nuit, on entend d'étranges bruits. Qui passe en grognant derrière Petit Rocher? Et le lendemain, une nouvelle journée commence pour Petit Rocher. Qui lui rendra visite en première aujourd'hui ?